feiern sein. Ça doit être un sujet de fête pour nous. Und egal wie du den Tag angefangen hast. Et peu importe comment tu as commencé la journée. Ich bete dafür. Je prie. Dass du das Wort Gottes. Au travers de la parole de Dieu. Dass dieser Tag in Freude und im Feiern endet in mächtigen Namen cette Jesus. Journée se termine en allégresse et en fête dans le nom dass de Jésus. Dass die Wörter, die du heute empfangen wirst durch den Heiligen Geist. Que les paroles que tu vas recevoir aujourd'hui de la part du Saint-Esprit deine Gedanken, deine Gefühle und deine Seele umwandeln. Puisse changer tes pensées, puisse changer tes émotions et puisse changer même ton, ton âme aussi. In mächtigen Namen, dans Jesus. Le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Geliebte des Herrn, Déclamation. Le thème s'intitule les réclamations, les réclamations liées au temps. Wir lesen dafür im Esther. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Kapitel 4. Chapitre 4. Ab dem Vers 1. À partir du premier verset. Bei mir kommt es jetzt auf Englisch, aber ich hatte es auf Deutsch vorbereitet. Ja. Ja, bei mir ist es auf Englisch. Okay. Esther Kapitel 4, ab Vers 1. Esther, au Chapitre 4, à partir du premier verset. Als Mordecai erfuhr, was geschehen war, zerriss er entsetzend seine Kleider, zog sich ein Trauergewand an und streute sich Asche auf den Kopf. Dann lief er durch die Stadt und stieß laute Klagerufe aus. So kam er bis an Tor des königlichen Palasts, durfte aber in seine Trauerkleidung nicht hindurchgehen. In alle Provinzen des Landes trauerten die Juden, wo immer der Erlass des Königs bekannt wurde. Sie fasteten, klagten und weinten. Viele trugen Trauerkleider und hatten sich Asche auf ihre Lager gestreut. Esther Dienerin und Diener meldeten ihr, was sich vor dem Tor abspielte. Sie erschrak heftig und ließ Mordecai ein Gewand bringen, damit er die Trauerkleidung ausziehen könnte, aber dazu war er nicht bereit. Da rief Esther den Eunuchen Atan, den Xerxes, ihr als Diener gegeben hatte und schickte ihn zu Mordecai hinaus. Er sollte ihn fragen, was geschehen sei und weshalb er sich so benahm. Hatak ging zu Mordecai auf den Platz vor dem Palasttor. Mordecai berichtete ihm von Hamas Plan. Er erzählte ihm, wie viel Silber Haman dem König dafür versprochen hatte, dass er die Juden töten dürfte. Amen. Amen. Wir lesen im Esther Kapitel 4, Vers 1 zu 6. Es wird jetzt auf Französisch gelesen. Yes. Genau. Donc je lis dans le livre d'Esther, chapitre 4, à partir du verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnèrent, pleurèrent et se lamentèrent, et beaucoup se couchèrent sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais ils ne les acceptèrent pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargèrent d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs.
Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Amen. 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 Zeit bezogene Reklamationen. Des réclamations liées au temps. In dem Text, was wir gelesen haben, dans le texte que nous venons de lire, geht es das Volk Israel. Il s'agit du peuple d'Israël. Als sie noch Sklaven waren in Susa, lorsqu'ils étaient encore esclaves à Suse, und als sie noch unter der Herrschaft vom König Xerxes waren, et lorsqu'ils étaient encore sous la domination du roi Xerxes, Assyrus. Sie waren das Volk Gottes, c'était le peuple de Dieu. Aber sie waren unter Sklaverei. Mais ils étaient des esclaves. Denn der Herr, parce que le Seigneur, hatte ein Urteil auf sein Volk fallen lassen, avait prononcé une sanction sur son peuple. Und diese Urteil beinhaltete, et cette sanction était, il y avait dans cette sanction, die Tatsache, dass sie Sklaven sein sollten für eine Zeit. Dans le jugement, c'était dit qu'ils devaient être des esclaves pendant un moment. Und jetzt, et maintenant, sehen wir das Volk Israel, nous voyons le peuple d'Israël, die nicht nur unter dem Urteil von Gott steht, qui n'était pas seulement sous le jugement de Dieu, sondern auch unter dem Urteil von einem König, mais également sous le jugement d'un roi. Und ich möchte uns etwas sagen. Et j'aimerais nous dire quelque chose. Manchmal, parfois, die Tatsache, dass wir von Gott irgendwie abgelehnt sein sind, le fait que nous soyons rejetés par Dieu, ermöglicht oder erleichtert zu dem Feind Zugang in unserem Leben. Donne la possibilité à l'ennemi d'avoir accès à notre vie. Amen. Amen. Diese Dekret, parce que ce décret wurde nur auf dem Volk Israel ausgesprochen, ça a été prononcé seulement sur le peuple d'Israël, weil sie in der Stadt als Sklaven waren, parce qu'ils étaient des esclaves dans cette weil ville, sie in der Stadt als Flüchtlinge waren, parce qu'ils étaient comme des étrangers dans cette ville. Und ich bete für uns, et je prie pour nous, dass wir immer drauf achten, que nous fassions toujours attention, eine gute Gemeinschaft zu dem, mit dem Herr zu pflegen, d'avoir une bonne intimité avec le Seigneur. Parce que dans les temps où Dieu nous rejette, nous pouvons rencontrer beaucoup de problèmes qui ne sont même pas dans les plans de Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, Mordecai Madoché va am weinen. Il était en train de pleurer. Er zerriss seine Klamotten. Il a déchiré ses vêtements. Weil ein Dekret, parce qu'il y a eu un décret, ausgesprochen wurde auf dem Volk, parce qu'il y a eu un décret contre le peuple. Was ist ein Dekret? Qu'est-ce que c'est un décret? Ein Dekret, le décret, ist ein Rechtsakte, was erlassen wird von einer Person, die Autorität hat. Un décret ist ein Rechtsakte. Ok, c'est un acte juridique. Un acte juridique, merci. Was erlassen wird, qui est prononcé durch eine Person, die Autorität dafür hat. Par quelqu'un qui a l'autorité sur cet acte. Amen. Amen. Es heißt, ça veut dire, ein Dekret zu erlassen, pour pouvoir prononcer ce décret, muss eine Person Autorität haben. La personne qui prononce doit avoir de l'autorité. Ohne Autorität, sans cette autorité, wird kein Dekret ausgesprochen und in Stadt umgesetzt. Il n'y a pas possibilité de décréter quelque chose. Deswegen, c'est pour ça gab Gott, que Dieu, Jesus Autorität, a donné l'autorité à Jésus, nicht nur ins Himmel, pas juste dans le ciel, also dehors auf die Erde, mais aussi sur la terre, damit Jesus, afin que Jésus sein Wort, Dekret in unser Leben auszusprechen und dass diese Dekret in Stadt umgesetzt sein werden. Puisse avoir la capacité de décréter les choses dans notre vie et que ces décrets-là soient aussi mis à exécution. Und Jesus führte es fort, et Jésus alla même plus loin, indem er uns, dans, par cela, indem er uns, par cela qu'il nous a, er uns die Autorität gegeben hat, par cela qu'il nous a donné l'autorité, Sachen auszusprechen, de prononcer des choses, die geschehen werden, qui vont arriver. Und deswegen heißt es in die Bibel, c'est pourquoi c'est dit dans la parole, ich habe dir Autorität gegeben, je t'ai donné l'autorité, damit alles, was du auf die Erde bindet, afin que tout ce que tu lis sur la terre, auch gebunden sein wird im Himmel, soit également lié dans le ciel. Und
alles was du auf die Erde entbindet wird, et tout ce que tu délies sur la terre, auch im Himmel entbundet sein wird, que ce soit également délié dans le ciel. Geliebte des Herrn, bien-aimé du Seigneur, wir haben Autorität, um Dekret auszusprechen. Nous avons de l'autorité pour décréter des choses. Amen. Amen. Das Volk Israel, le peuple d'Israël, stand vor einem Dekret, a été devant un décret, was gegen ihre Leben gesprochen hat, qui était en train de parler contre leur vie. Das Dekret, ce décret, wurde von Haman initiiert. Ça a été initié par Haman. Aber es wurde von dem König versiegelt. Mais ça a été confirmé par le roi. Denn allein den König, parce que seulement le roi, könnte den Dekret versiegelt. Il pouvait, seulement le roi pouvait sceller le décret. Aber initiiert, mais l'initiation, könnte irgendeiner, ça pouvait venir de n'importe qui. Irgendeiner, peu importe qui, pouvait décréter quelque chose, pouvait initier le décret, mais la validation, c'est seulement le roi qui pouvait signer le décret, qui pouvait confirmer le décret. J'espère qu'on comprend ce que je dis. Haman hatte nicht die Macht, um das Dekret zu validieren, zum validieren. N'avait pas le pouvoir de sceller le décret. Aber Haman, mais Haman hatte Zugang zu demjenigen, der die Macht hatte, um ein Dekret zu validieren. Il avait accès à celui-là qui avait le pouvoir de sceller le décret. Und er nutzte diese Autorität. Et il a utilisé cette autorité. Um ein Dekret zu erlassen. Pour prononcer un décret. Gegen dem Volk Israel. Contre le peuple d'Israël. Geliebte des Herrn, bien-aimé dans le Seigneur, die Beziehungen, die wir haben, les relations que nous avons, können uns Türe öffnen, peuvent nous ouvrir des portes. Die Beziehungen, die wir haben, les relations que nous avons, können uns Macht geben über Völkern und Nationen, peuvent nous donner le pouvoir sur des nations et sur des peuples. Du hast eine Beziehung, ich bete, dass du eine Beziehung mit Gott hast. Je prie que tu aies une relation avec Dieu. Und dass du diese Beziehung nutzt, et que tu utilises cette relation, um Dekret auszusprechen, pour prononcer des décrets über Völker, sur des peuples, und Nationen, sur des nations, zum Ehre Gottes, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Sieh, was Haman getan hat. Regardons ce que Haman a fait. Er ging zu dem König, il est allé vers le roi, und er lügte über das Volk Israel. Et il a menti par rapport au peuple d'Israël. Er sagte zu dem König, il a dit au roi, das Volk Israel ist gegen dir. Que le peuple d'Israël est contre toi. Weswegen solltest du das Volk umbringen? C'est pourquoi tu dois détruire ce peuple. Er war sogar in der Lage, il était même en mesure dafür zu bezahlen, de payer, damit den König, pour que le roi, das Volk Israel umbringt, tue le peuple d'Israël. Aber allein weil er Gnade und Gunst gefunden hatte im Augen des Königs, mais c'est seulement parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux du roi, sagte ihm dem König, le roi lui disait alors, ich will dein Geld nicht. Je ne veux même pas ton argent. Tout das, was du machen möchtest mit diesem Volk, fais ce que tu veux avec ce peuple. Und er validierte sein Dekret. Et il a scellé ce décret. Geliebte des Herrn, bien-aimé dans ich le Seigneur, bete dafür, je prie, dass wir Gunst und Gnade im Augen Gottes finden, que nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, dass wir keinen Preis bezahlen müssen, que nous n'ayons aucun prix à payer, damit Gott unsere Wörter validiert, afin que Dieu scelle nos paroles, damit Gott unsere Dekret validiert, afin que Dieu scelle nos décrets, damit Gott unsere Gebet erhört, afin que Dieu pendant nos sondern prières, durch Jesus, mais au travers de Jésus, sollten wir einfach berechtigt werden, alles auszusprechen und zu deklarieren in unserem Leben, aber auch im Leben von anderen Menschen im Namen Jesus. Que nous ayons le pouvoir de déclarer des choses, pas seulement dans nos vies, mais dans la vie aussi des autres, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aber wir reden ja über zeitbezogene Reklamationen. Mais nous parlons ici des réclamations liées au temps. Und warum reden wir darüber? Mais pourquoi est-ce que nous parlons de ça? Denn als das Dekret aus, ja, zugelassen wurde, parce que lorsque ce décret a été scellé, ja, validé, légitimé, ja, hatte das Dekret nicht Wirkung, hatte das Dekret keine sofortige Wirkung. Le décret n'avait pas une influence directe. Sondern, mais plutôt, die Wirkung sollte erst später anfangen. Ça devait commencer plus tard. Ein Datum wurde auserwählt. Une date a été. Ein Zeitraum wurde auserwählt. Un temps a été pris, und proklamiert choisi, wurde. Et il a été proclamé. Dass ab dem Datum
datum, qu'à partir de cette date, das Volk Israel, le peuple d'Israël, im Gesamtkönigreich, dans tout le royaume, zerstört sein, sein Düfte. Devait être détruit. Und es gibt Menschen in unserer Mitte. Et il y a des gens au milieu de nous. Es wurden Dekrete auf dein Leben ausgesprochen. Il y a des décrets qui ont été prononcés sur ta vie. Es gibt Sachen, die ausgesprochen worden sind auf deinem Leben. Il y a des choses qui ont été déclarées sur ta vie. Die deine heute haben sollen. Qui n'ont pas d'effet aujourd'hui. Sondern morgen. Mais qui vont avoir des effets demain. Die meinen, des décrets qui disent, par exemple, à partir de 30 ans, tu vas être malade. Als du heiraten wirst du verrückt sein. Lorsque tu vas te marier, tu vas devenir fou. Als du einen Erwachsenen oder einen Job finden willst, wirst du immer Misserfolg erleben. Lorsque tu vas avoir un job, tu vas toujours être dans les échecs. Ce décret lassen uns unser Leben frei führen. Ça nous permet de marcher normalement dans notre vie. Jusqu'au moment wo sie Wirkung haben sollen. Où ça doit avoir de l'effet. Und es gibt viele Menschen, die darunter leiden. Et il y a plusieurs personnes qui souffrent sie de cela. Verstehen nicht, was ist los mit mir. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Alles ging so, lief so gut. Tout marchait tellement ich bien. Hatte immer Erfolg. J'avais toujours du succès. Alles war okay. Tout était aber okay. Seitdem dieses und jenes passiert. Mais depuis que ceci est arrivé. Seitdem ich in diesem Land gekommen bin. Depuis que je suis arrivé dans ce seitdem pays. Seitdem ich 20 geworden bin. Depuis que j'ai eu 20 ans. Seitdem ich geheiratet habe. Depuis que je me suis marié. Seitdem ich in der Gemeinde predige. Depuis que j'ai commencé à prêcher seitdem dans l'église. Ich diene, depuis que j'ai commencé à servir. Sind die Sachen anders. Les choses sont devenues es gibt autres. Eine zeitbezogene Reklamation. Il y a une réclamation qui est liée au temps. Und die spricht. Et cette réclamation dit. Und sie spricht in deinem Leben. Et elle parle dans ta vie. Amen. Amen. Aber ich preise den Herrn. Mais que le Seigneur soit glorifié. Als Mordecai davon erfuhr. Lorsque Mardochée a écouté cela. Und ich möchte es jetzt betonen. Et j'aimerais vraiment insister sur ça. Mordecai. Mardochée hat von dem Dekret erfahren später. Il a écouté le décret plus tard. Es war nicht an dem Tag, wo das Dekret zugelassen wurde. Ce n'était pas le jour où on a donné le décret. Und die Bibel lässt uns wissen, et la Bible nous fait savoir. Mordecai war nicht mal im Palaz. Mardochée n'était même pas au palais. Er arbeitet, er war draußen, er war im Volk, also er zählte unter dem Volk, ganz normal. Il n'était pas mis le peuple de façon normale. Aber es gibt eine Frau. Mais il y a une femme. Die Esther. Esther, die Ehefrau des Königs, la femme du roi, die Frau, die normalerweise alles wissen sollte, was ihr Ehemann tut, la femme qui est censée savoir tout ce que son mari fait. Sie erfuhr von dem Dekret. Elle a été informée du décret. Durch die Menschen im Volk. Au travers des hommes qui étaient dans la famille, le peuple. Comment est-ce que c'est possible? Wie ist es möglich, dass du das erfährst, was dein Ehemann entschieden hat, nach alle anderen, die im Volk sind, obwohl du die Ehefrau bist? Comment est-ce que tu peux être la femme, mais tu es informée de ce que ton mari a prévu faire après les autres. Pourtant, tu es sa femme. Wie ist es möglich, dass heutzutage die Gemeinde, die Ehefrau, das Braut Christi, später von Sachen erfährt, obwohl wir die Ehefrau Christi sind? Comment est-ce possible que l'Église, qui est normalement la femme du Seigneur, reçoit les choses ou bien est informée des choses après que les autres en soient informés? Es ist nicht normal. Ce n'est pas normal. Normalerweise. Normalement. Diejenige, die als erste erfahren sollte, dass ein Dekret ausgesprochen wurde, la première personne qui devait être au courant qu'il y a eu un décret, sollte die Esther sein. Ça aurait dû être Esther. Aber die Bibel lässt uns wissen, mais la Bible nous fait savoir, dass seit ein paar Tagen, ich glaube 30 Tage, que je pense 30 jours après, Esther nicht eingeladen worden war zu dem König. Qu'il y avait de cela 30 jours, Esther n'avait pas été invitée chez le roi. Und sie nimmt es so an. Et elle prenait juste ça comme es ça. Hat sie nicht gestört. Ça ne l'a pas dérangé. Aber sie wusste nicht, mais elle ne savait dass pas 30 Tage que 30 jours mehr als ausreichend war für den Teufel, que 30 jours étaient plus que suffisant pour le damit diable, Entscheidungen getroffen werden gegen ihrem Leben und das Leben ihrem Volk. Pour prendre des décisions contre sa vie et contre la vie de son peuple. Wie spielst du mit deiner Beziehung zu Gott? Comment est-ce que tu joues avec ta relation du avec denkst Dieu? Nicht, ich bin immer im Palast, ich bin immer die Königin. Tu crois je suis au palais, je suis la reine. Ich habe immer das Kron auf meinem Kopf. J'ai toujours la couronne sur ma tête. Ich habe immer Diener und Dienerin. J'ai toujours des serveurs et des servantes autour aber de moi, des servants. Nicht. Mais tout ça ne compte pas. Das, was zählt, ce qui compte, ist deine Gemeinschaft mit dem König. C'est ton intimité avec le roi. Denn dadurch,
Parce qu'au travers de quand cela, tu filmes et fahren, tu peux être au courant de beaucoup de choses et influencer plus encore. Esther hatte nur davon erfahren, als alle anderen damit angefangen hatten zu weinen. Elle a été mise au courant lorsque tous les autres avaient déjà commencé à pleurer. La dernière à recevoir l'information. Et c'est comme ça qu'il y a des chrétiens die erfahren Sachen in deren Leben, qui écoutent des choses ou bien qui sont mis au courant des choses dans leur vie après que les choses aient été déjà planifiées. Als die Sachen schon anfangen, lorsque les choses ont déjà commencé, dann fängst du an zu beten, oh Herr, offenbar mir, was los ist mit dieser Situation. Et c'est là que tu commences à prier, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cette situation. Oh Herr, sag mir, was ist passiert. Seigneur, dis-moi ce qui s'est passé. Das, was passiert ist, ce qui s'est passé. Du hast deine Beziehung zu Gott vernachlässigt. Tu as négligé ta relation avec Dieu. Du hast die Gemeinschaft mit Gott runtergebracht. Tu as commencé à rabaisser l'intimité avec du Dieu. Du hast dir gedacht, was zählt ist meine Funktion, meine Stelle als König, meine Klamotten, meine Krone, meine Make-up, meine alles. Du hast vergessen, dass das Wichtigste ist, dass du Gespräch mit deinem Ehemann, mit dem König, mit Gott führst. Tu as commencé à te dire, non, ce qui compte maintenant là, c'est ma fonction, c'est ma couronne, c'est ces choses-là que j'ai. Mais tu as oublié que ce qui compte en vérité, c'est ce qui c'est ma relation et c'est mon intimité avec le roi. Wenn es für uns wichtiger wird, lorsque, au fur et à mesure, ça deviendra important pour nous, wenn es für uns wichtiger wird, zu dienen als die Zeit mit Gottes zu haben, au fur et à mesure, ça deviendra plus important, lorsque ça devient plus important pour nous de servir que de passer du temps avec Dieu, dann werden die Sachen verpassen. Nous allons manquer des choses. Der Dienst, le service, ist eine Folge der Gemeinschaft mit Gott. Le service est une conséquence de l'intimité avec Dieu. Der Dienst, amen. Le service ist eine Folge der Gemeinschaft mit Gott. C'est une conséquence de la relation avec Dieu, l'intimité avec amen. Dieu. Amen. Und nicht umgekehrt. Et ce n'est pas le contraire. Amen. Amen. Aber ich preise den Herrn. Mais je glorifie le Seigneur. Denn der Herr ist kein König Amad, ist ein König Xerxes. Parce que le Seigneur n'est pas un roi, c'est pas le roi Assyrus. Amen. Ce n'est pas le roi Assyrus. Warum sage ich es? Pourquoi est-ce que je dis cela? Denn der König Xerxes, parce que le roi Assyrus, hatte ein Dekret versiegelt, il avait signé un décret, was gegen ihn gesprochen hat, qui parlait même contre lui, indem er zugesagt hatte, en passant là qu'il a accepté, dass das Volk Israel vernichtet wird, qu'on détruise le peuple d'Israël, hatte er zugesagt, il avait aussi accepté par là, Witwe zu werden, de devenir maintenant veuf. Weil die Ehefrau, die er hatte, parce que sa femme, war ein Stamm aus dem Volk Israel, elle venait du peuple juif. Und es gibt viele Menschen, et il y a plusieurs personnes die von comme dem ça, Teufel oder die von solchen Personen wie Haman ja betrügt sein werden, qui sont influencés par des personnes comme Haman, um Entscheidungen zu treffen, die gegen sie selbst sprechen, pour prendre des décisions qui parlent même contre und eux-mêmes, und sie wissen es nicht, et ils ne s'en rendent même pas compte. Der König war da. Le roi était là. Okay, lass uns einfach das Volk Israel vernichten, mach wie du willst mit dem Volk. Oui, détruisons seulement le peuple d'Israël. Fais ce que tu aber voudras. Dadurch, mais au travers de wenn cela, es jemand gäbe, lorsqu'il s'il y avait quelqu'un der davon getroffen sein sollte, qui devait être aussi touché par cela, war das dem König selbst. Ça devait être le roi lui-même. Stell euch das Ganze vor. Imaginez-vous cela. Das Dekret ist validiert. Le décret était scellé. Die Judischen werden umgebracht. Le peuple d'Israël va être détruit. Und darunter, et au milieu de ce die peuple, Ehefrau des Königs, la femme du roi. Man fragt dem König, mais le, on demande au roi, wer hat die Entscheidung getroffen? Qui a pris cette décision? Wer hat es validiert? Qui a scellé cela? Du, ô König. Ah, c'est toi, roi. Du, es heißt, ça veut dire du que hast eine Entscheidung getroffen, tu as pris une décision, die Tod in deinem Leben reingeführt hat, qui va amener la mort dans ta vie, die Tod auf deine Ehe, in deine Ehe reingebracht qui hat, va amener la mort dans ton couple. Das ist sehr ernsthaft. Ça, c'est très sérieux. Lass uns achten. Prenons de la peine.
Parce que validiren. Ah, ok. Contrôlons ce que nous validons. Parce que acceptiren. Contrôlons ce que nous acceptons. Parce que annehmen. Contrôlons ce que nous acceptons. Damit wir nicht Sachen annehmen, die gegen uns sein werden. Afin de ne pas accepter des choses qui vont parler après contre nous. Und dass wir nachher sagen, wir wissen nicht, wie es geschehen ist. Et qu'après on se retrouve en train de dire, nous ne savons pas comment est-ce que cela est arrivé. Aber das war der Feind. Mais ça, c'était le diable. Das ist genauso was passiert ist im Garten Eden. C'est la même chose qui est arrivée dans le jardin d'Eden. Le serpent disait à Adam et Ève, Iss von dem Frucht. Mangez de ce fruit. Ihr werdet nur Kenntnisse gewinnen. Vous allez simplement avoir la connaissance. Aber er sagte ihnen nicht, mais il ne disait pas. Ihr werdet die Gemeinschaft zu Gott verlieren. Vous allez perdre l'intimité ihr avec werdet Dieu. Ausgetrieben von dem Garten. Vous allez être chassé du jardin. Amman sagte zu dem König, Amman disait au roi, bring das Volk tue le peuple, damit du weniger Feinde hast. Afin de ne plus afin d'avoir moins d'ennemis. Aber er sagte nicht, nicht, mais il ne disait pas au roi, bring das Volk tue le peuple, selbst im Trauer zu sein. Pour toi-même côté mettre und à pleurer. Selbst lächerlich zu werden in Augen deines Volk. Pour toi-même devenir ridicule le vieux de ton peuple. Was für ein König wird seine Ehefrau umbringen, ohne es zu wissen. Quel genre de roi va tuer sa femme sans même s'en rendre compte? Ein König, dessen Erkenntnis fehlt, der keine Erkenntnis hat. C'est un roi qui manque de connaissances. Ein König, der keine Offenbarung hat. Un roi qui manque de révélation. Mais je prie, dass wir Offenbarung bekommen, que nous recevions des révélations. Denn manchmal kannst du Sachen unterschätzen, parce que parfois tu peux sous-estimer des choses, die morgen für dich wichtiger sein werden, qui seront plus importants pour toi diese demain. König, ce roi, hatte schon eine Ehefrau verloren. Il avait déjà perdu une femme. Also sie war nicht tot, sondern die Vashti. Elle n'était pas morte, mais c'est la reine Vashti. Im Leben des König, da sehe ich eine Reklamation. Dans la vie du roi, je vois là une réclamation. Das Gesetz, la loi, war den Grund, warum dem König Vashti verloren hatte. C'était la raison pour laquelle le roi avait perdu Vashti. Denn das Gesetz sagte, dadurch, dass Vashti ungehorsam war, sollte sie nie wieder vor dem König erscheinen. Parce que la loi disait que parce que la reine Vashti était désobéissante, elle n'avait plus le droit de venir dans la und présence du roi. Kommt ein anderes Gesetz, mais maintenant, il y a une autre loi qui était venue. Deine Ehefrau wird umgebracht, weil sie zu dem Volk Israel gehört. Qui disait que ta femme va mourir parce qu'elle appartient au peuple d'Israël. Passe auf, wie du deine Autorität nutzt. Fais attention comment tu utilises ton autorité. Es reicht nicht, Autorität zu haben. Ça ne suffit pas d'avoir de l'autorité. Sondern es ist nötig, Erkenntnis zu deiner Autorität hinzufügen, es richtig auszunutzen. Mais c'est important d'avoir la révélation en plus de ton autorité pour pouvoir mener à bien cette autorité. Amen. 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 Und die Bibel lasst uns wissen, et la Bible nous fait comprendre, als Mordecai erfuhr, lorsque Mardochée a été mis au courant, dass es ein Dekret gab, qu'il y avait ce décret, er fing an zu weinen. Il a commencé à pleurer. Er zerstört seine Klamotten. Il a commencé à déchirer ses vêtements. Ja, hat Asche auf sich gebracht. Il a versé la cendre sur lui. Und Esther, et Esther sagte ihm, hör auf zu weinen. Esther lui disait, arrête de pleurer. Très gute Klamotten. Porte des meilleurs habits. Und sagte, nein. Et il disait non. Es geht mein Leben. Il s'agit de ma vie. Ich kann nicht damit aufhören. Je ne peux pas arrêter. Wenn du erfährst, lorsque toi tu es mis au courant, was gegen dein Leben los ist, par rapport à quelque chose qui est contre ta vie, auf, n'arrête pas zu beten, de prier, Gottes Angesicht zu sehnen, de chercher la face de Dieu, bis du selbst eine Lösung bekommst. Jusqu'à toi-même tu reçoives une solution. Hör nicht auf die Menschen zu, n'écoute pas les hommes. Weil als Esther sowas sagte, parce que lorsque Esther disait cela, sie wusste nicht, dass sie von dem Dekret betroffen war. Elle ne savait pas qu'elle était aussi touchée par ce décret. In deine Familie, dans ta famille, kannst du vielleicht derjenige sein, der viel Fürbitte macht. Tu pourrais être celui-là qui fait beaucoup plus l'intercession. Du kannst derjenige, der immer am Fasten und Gebet bist. Tu pourrais être celui-là qui est toujours en train de prier, und en train und die Menschen um dich herum, et les gens qui t'entourent, sie sagen dir, warum betest du so oft? Ils te disent, pourquoi est-ce que tu warum prêches? Fastest du so oft? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Warum pourquoi est-ce que tu du pries beaucoup comme ça? Warum bist du immer, warum sehnst du dich immer nach dem Angesicht Gottes? Pourquoi est-ce que tu cherches autant la face de Dieu? Arrête cela. Komm zu uns, lass uns feiern, lass uns essen, lass uns trinken. Viens avec nous, prenons du bon temps ensemble,
dansons, mangeons. Geliebte des Herrn. Bien-aimé du Seigneur. Du musst nicht wie die anderen machen. Tu ne dois pas faire comme les Weil autres. Weil du die Information hast, die anderen nicht bekommen Parce que haben. Tu as l'information que les autres n'ont pas Und reçue. Du hast die Macht, die anderen nicht haben. Et tu as la puissance que les autres n'ont pas. Und wenn du die anderen folgst, Et lorsque tu suis les autres, wirst du wie alle anderen sterben. Tu vas aussi mourir comme tous les autres. Da wo du gerufen war zum Leben. Pourtant, tu étais appelé à vivre. Amen. Amen. Mordecai Madoché sagte zu Esther, disait à Esther, du weißt nicht mal, was los ist. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Et erklärte ihr, il l'a maintenant, il lui a expliqué durch maintenant, ein Diener, au travers d'un servant, was los war. Ce qui se passait. Und er sagte zu ihr, Et il lui disait, du solltest zu dem König gehen, tu devrais aller chez le roi. Weil du bist die Königin. Parce que tu es la reine. Geliebte des Herrn. Bien-aimée dans le Seigneur. Wenn es eine Person gibt, die Autorität hat, Dekret zu ändern oder zu widerstehen. Lorsqu'il y a quelqu'un qui peut changer des décrets, das sind wir. C'est nous. Weil wir haben Zugang zu dem König. Parce que nous avons accès au roi. Wir sind die Braut Christi. Nous sommes l'épouse du Christ. Und es ist mit ihm, dass wir ein Bündnis geschlossen haben. Et c'est avec lui que nous avons scellé une alliance. Und es heißt, Et ça veut dire, egal was gesprochen wird, peu importe ce qui est prononcé, egal was mir gesagt wird, es wurde schon zugesagt, ein Datum steht schon fest, es ist schon vorbei, solange mein König lebt, solange ich die Braut bin, kann ich alles ändern. Peu importe ce qui a été dit, peu importe quelle date a été déjà arrêtée, aussi longtemps que le roi vit, moi je peux tout changer. Je peux tout changer. Merci. Amen. Amen. Aber wie kann ich alles ändern? Mais je ne peux pas tout changer. Wie kann ich alles ändern? Ah, mais comment est-ce que je peux tout changer? Was tat Esther? Qu'est-ce que Esther fait à faire? Sie versammelte um sich herum. Elle a rassemblé autour d'elle. Elle a rassemblé autour d'elle. Menschen, des personnes. Die von der Situation getroffen waren. Qui étaient touchées par la situation und également. Menschen, et des personnes. Die bereit waren, qui, dagegen zu stehen. Qui étaient prêts à résister à ces décrets. Sie hat nicht gesagt, es ist zu spät. Elle n'a pas dit c'est trop tard. Das Dekret wurde schon veröffentlicht. Le décret avait déjà été publié. Denn es wurde schon veröffentlicht. Parce que ça avait vraiment déjà été publié. Sie hat nicht gesagt, es ist zu spät. Elle n'a pas dit que c'est trop tard. Es ist das Gesetz von Mendes, ein Gesetz, was nie geändert sein könnte. C'est la loi de Mendes. On ne peut plus changer cela. Aber sie ging Mais elle est partie. Zu jemand, der Autorität über seinen Ehemann hatte. Elle est partie chez quelqu'un qui avait l'autorité au-dessus de l'autorité de son sie mari. Sie ging zu dem König des Königs. Elle est allée chez le roi des rois. Sie betete. Elle priait. Sie fastete. Elle jeûnait. Und dann ging sie zu dem Mann. Et ensuite elle est allée chez son mari. Das Dekret versiegelt hatte. Chez l'homme qui avait déclaré ce décret. Es gibt kein Dekret. Il n'y a aucun décret. Was von Menschen gesprochen worden sind. Qui a été prononcé par des hommes. Und was von Gott nicht geändert sein kann. Qui ne pourrait pas être changé par Dieu. Gott. Dieu ist derjenige, der die natürliche Autorität hat. Est celui qui a l'autorité naturelle. Und diese Autorität. Et cette autorité. Ist nicht nur auf Menschen. N'est pas juste sur les hommes. Sondern auf Erde. Mais c'est aussi sur la terre. Und auch auf Himmel. C'est aussi dans le ciel. Und auf das ganze Universum. Et même dans tout l'univers. Es heißt, egal was dein Problem ist. Ça veut dire peu importe quel est ton problème. Egal was die Reklamation gegen deinem Leben sagt. Peu importe ce qu'est cette réclamation qui est sur ta vie. Wenn du Gott zu deiner Seite bringst, lorsque tu amènes Dieu sur ton côté, wird, à ton côté, wird sich alles ändern. Tout va changer. Geliebte des Herrn, bien-aimé dans le Seigneur. Da wo Vashti, là où Vashti, beurteilt wurde durch das Gesetz, a été jugé par la loi. Und den Willen des Königs dieses Gesetz nicht geändert hatte. Et même la volonté du roi n'a pas pu changer cette loi. Ich erkläre es. J'explique bien. Die Bibel sagt, la Bible dit Vashti hatte ihre Stelle verloren. Elle avait perdu son rôle. Elle Und avait perdu sa position. Ein Zeit nachher, Et un moment après sagte dem König, le roi disait ich will sie wieder haben. Je veux la voir à nouveau. Aber Mais seine Diener sagte ihm, ses servants lui disaient das Gesetz la loi kann nicht geändert werden durch dein Willen. La loi ne peut pas être changée au travers de ta Aber volonté. Dieses gleiche Gesetz, Mais cette même loi was gegen Israel
qui avait parlé contre le peuple d'Israël, ça avait été changé au travers de la volonté du roi des rois. Amen. Amen. Là où ta volonté ne peut pas changer quelque chose, là où tes faits et gestes ne peuvent pas changer quelque chose, la volonté de Dieu, ça peut changer tous les hommes, ça peut changer toutes les décisions. Esther n'a pas eu besoin que le roi lui dise d'abord oui. Mais elle a eu besoin que le roi des rois lui dise oui. Et lorsqu'elle a reçu le oui du roi des rois, elle est allée maintenant vers les hommes. Lorsque nous sommes devant des réclamations, lorsque nous sommes devant les hommes, nous ne pouvons pas commencer à lutter à ce niveau. Mais il faudrait commencer d'abord avec ce niveau ici. Nous portons d'abord l'autorité en Jésus. Nous mettons notre foi en marche et nous proclamons ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Et le peuple d'Israël savait, nous sommes certes des esclaves, mais Dieu ne nous a pas appelés à mourir dans ce pays. C'est pourquoi nous n'allons pas périr dans ce pays. Tu traverses des difficultés, peut-être des maladies, peut-être des combats, mais tu dois savoir la volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu meurs dans ces situations, mais que tu vives et que tu vives sa gloire. Amen. Amen. Geliebte des Herrn. Bien-aimé dans le Seigneur. Zeitbezogene Reklamationen. Les réclamations liées au temps können ausgesprochen werden. Peuvent être prononcées. Sie können validiert werden. Ça pourrait même être scellé. Aber sie werden immer geändert können. Mais ils vont toujours pouvoir être changés. Wenn wir bewusst werden. Lorsque nous sommes conscients. Wer wir sind. Qui nous sommes, welche Zugang wir haben, et quel accès nous avons, welche Macht wir haben, quelle puissance nous avons, dann werden wir alles ändern. Alors nous allons pouvoir Mordecai tout changer. Mordecai sagte zu Esther, disait à Esther, du kannst gehen, tu peux partir, weil du bist die Königin, parce que tu es la reine. Ich, moi, Mordecai, Mordecai, ich kann nicht da gehen, wo du kannst. Je ne peux pas aller là où toi tu peux. Für deine Probleme, pour tes problèmes. Manchmal brauchst du jemanden, der einen Zugang hat, dass du nicht parfois hast. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a accès aux endroits où toi tu n'as pas accès. Amen. Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui peut aller là où toi tu ne peux pas aller. Une personne qui peut entrer par des portes qui te sont fermées. Mais pour avoir cette... Nein, und solche Personen, mais ces personnes können dir helfen, peuvent t'aider. Aber erkennst du solche Personen? Mais est-ce que tu réussis à remarquer ce genre de personnes? Erkennst du, wer Esther sein kann für dich? Est-ce que tu remarques qui est Esther pour toi? Bleibst du in deine Ecke nur durch Hochmut? Est-ce que tu restes dans ton coin simplement à cause de l'orgueil? Du willst nicht zu einer Person gehen und sagen, hilf mir. Tu ne veux pas aller vers une personne lui dire, aide-moi. Ich brauche deine Hilfe. J'ai besoin de ton aide. Mordecai hätte meinen können. Mordecai aurait pu dire, ich bin der Onkel Esther. Mais je suis l'oncle d'Esther. Ich habe sie groß erzogen. Je l'ai élevé. Sie ist die König, die sie heute ist durch mir. Elle est la reine qu'elle est aujourd'hui au travers de ich moi. Kann es schaffen. Je peux le faire. Eigentlich braucht sie mich und nicht ich sie. En fait, elle a besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin aber d'elle. Er erkannte, mais il a remarqué dass in der Situation, que dans cette situation, es geht darum, il s'agit dass jeder seine Rolle spielt, que chacun joue son rôle damit wir alles errettet sein werden. Pour qu'on puisse tous être sauvés. Geliebte des Herrn, bien-aimés dans le Réclamation Seigneur. Die gegen der Gemeinde sprechen. Des réclamations qui parlent contre l'Église. Réclamation die gegen dir sprechen. Des réclamations qui parlent contre die toi. Können ein Ende haben, ils peuvent avoir une fin. Jeder in der Gemeinde quand chacun dans l'Église Rolle spielt, joue son rôle. Wenn wir alle zusammen kommen, lorsque nous nous rassemblons tous, und dass wenn wir als ein Leib
Et lorsque nous portons tous ces fardeaux-là comme un seul corps, lorsque nous avons tous le même but, et lorsque nous mettons Dieu devant, Israël war nur ein Volk, était juste un peuple unter sehr viele Volk von dem König, Xerxes, entre plusieurs autres peuples qui étaient sous le roi d'Assyrus. Die Bibel sagt, la Bible nous dit, il régnait über 126 Provinzen. Il régnait sur 127 provinces. Es heißt, ça veut dire, menschlich gesehen, vue de l'homme, dans les yeux de l'homme, ils n'avaient vraiment pas la force de battre. Mais avec Dieu, sie haben es bekämpft. Ils ont commencé à combattre. La Bible nous fait savoir, Esther zu dem König geht, lorsque Esther est allée chez le roi, als sie ihm wirklich die Situation erklärt hatte, lorsque elle a expliqué la situation, lui, il a un nouveau décret zu erlassen. Il a signé un nouveau décret. Und hat das Volk Israel den Recht gegeben, et il a donné le droit au peuple d'Israël de lutter. Heute, aujourd'hui, willst du aufstehen, tu vas te lever, und du willst zu Gott gehen, et tu vas aller chez Dieu, und du willst ihm die Situation erklären, was dein Leben bis jetzt stört, et tu vas lui expliquer la situation qui dérange ta und vie jusqu'à aujourd'hui. Glaube, geliebte des Herrn, et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, heute, qu'aujourd'hui, Gott, Dieu, dir den Recht geben wird, te donnera le droit, dich zu verteidigen, de te défendre, und den Sieg, et la victoire, über dein Feind zu haben, et d'avoir la victoire sur ton ennemi, egal wie zahlreich sie sind, peu importe comment ils sont nombreux, egal wie schwach du dich siehst, peu importe comment tu te sens faible, mit Gott an deiner Seite, avec Dieu à tes côtés, bist du ein Sieger, tu es un victorieux, bist du eine Siegerin, tu es victorieuse, und es gibt nichts, et il n'y a rien, und niemand, et personne, was dich widerstehen kann, qui pourra te résister. Keine Reklamation, aucune réclamation, wird noch länger in deinem Leben sprechen, ne va pouvoir continuer à parler dans ta vie. À diesem Tag, à partir d'aujourd'hui, sei dir bewusst, was deine Identität ist. Sois conscient de ton identité. À diesem Tag, à partir d'aujourd'hui, sei dir bewusst, dass du Zugang zu dem König hast. Sois conscient que tu as accès au roi. À diesem Tag, à partir d'aujourd'hui, sei dir bewusst, dass der König will, dass du lebst und nicht, dass du stirbst. Sois conscient que le roi veut que tu vives et pas que tu meurs. À partir d'aujourd'hui, sois conscient que au travers de ton courage, que les peuples et les nations peuvent être sauvés.